aller, va se jouer en deux matchs gagnants. D'ailleurs, l'intégralité, si je ne me trompe pas, des matchs vont se jouer en deux matchs gagnants. On me regarde, on ne me regarde pas. Je pense que c'est ça. C'est le bouton check, hein, ne vous excitez pas. Vous savez, il y a toujours besoin de configurer les boutons dans ce jeu. Jacine semble quand même bien installé, qui a quand même l'habitude, il revient de Marvel, il est chaud, il s'est ambiancé. C'est le match qu'il faut s'emballer à une vitesse incroyable. Luffy qui fait OK. Justin Wong qui se met dans l'ambiance, qui suit un peu. C'est bon, le pouce est levé, les deux joueurs qui s'estiment évidemment énormément et qui vont s'affronter pour la première fois sur cette scène du Slugfest. C'est un match totalement inédit dans un tournoi solo Street Fighter 4. C'est parti, mesdames et messieurs, c'est la finale winner, Justin contre Luffy. Luffy ultra 2, Justin Wong ultra 1, évidemment le maximum de dégâts, toujours ses capacités à montrer et à essayer de casser toutes les anciennes sélects de Deschop, de Luffy, et Luffy qui a eu beaucoup de problèmes dans le technique. Regardez, palais en avant, oui, je me dis, je palais, il fait exactement la même chose à Valmaster, et un très bon petit point qui a évité nos pros, il l'a dit, mais prend quand même celle-ci, et on a été pour poisson dans nous. Premier stun fest d'encaisser, et Luffy qui n'a pas vu sa barre se vider. 3 BNP, quelques attaques, une hélicoptère je t'embrouille et la barre s'est vidée et tout est parti sur cette balayette du finish. Je ne sais pas comment Justin Wong est bien fait pour réussir à voir ce genre de truc, mais ça semble assez fou. Là, qui est d'Astic, et là, il passe la chope. Chope avec énormément de dégâts, d'habitude, il se déchoppe, mais là, c'est très compliqué de réchauffer. Donc, il y a la petite casse en cible spirale. Justin Wong, il est en feu, il va se donner pour la deuxième fois consécutive. Le pauvre Luffy qui n'en peut plus. S'il vous plaît, lancez moi là. Et je suis trop. Et l'Ultra 2 avec un spécial provoqué, hein. Et le deuxième qui reste là, il va le sacrifier. Non, il va pas le sacrifier, il reste un satellite, il y a les pontes pour empêcher que Luffy se décale les chocs. Et le spécial, il est tout simplement génial. C'est flippant ce que tu fais là, Justin, ça me fait très très peur, hein. Très très peur. Il est en difficulté, là, Luffy, en grosse difficulté. Une difficulté évidemment symbolisée. Regardez encore une fois ce whiff finish balayette, ça veut rien dire. La kick shop, Luffy qui n'a pas de déchop et qui prend encore et bien l'agression perpétuelle. Les backdash n'arrivent pas à se le mettre assez à distance pour éviter et bien les dead kicks répétés, mais très intelligemment espacés de Justin Wong. Et Ultra 2 qui est sorti pour essayer de gratter l'air en souffle, surtout essayer de consommer et de construire de la barre de super. Il faut plus, c'est pas moyen de me toucher. Là encore, ça a touché sa balayette. La fin de la dead kick qui a chop derrière. Backlash, il est encore encaissé, il faut qu'il se backlash, il fait tout ce qu'il a, c'est pas safe. Et Justin Wong qui a la garde, c'est pas possible, il voit tout, il sait tout, mais arrêtez-le, qui peut le stopper. Eh, la bonne chance pour l'emmener dans le bois, il bat encore, mais Justin Wong qui s'est déjà pris la phase de route avant, il va pas se prendre encore une fois, et succession de sous frappes avec un sous-satellite qui est là, est-ce qu'il va pouvoir le rentabiliser? Oh là 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 là. Mais mes amis, et ça c'est pas bien, hein. Ça faut pas faire. Hein. Là, sincèrement, si Justin Wong gagne comme ça, il gagne sans aucune contestation possible. Il est juste totalement pouvoir, il est juste tout contré à Rose. Très magnifique, lui finish à la glissade. À part la balayette, encore une fois. Et encore une ouverture à cette tactique. Et encore une option, c'est avec balayette derrière ça. Et Luffy qui est obligé d'accélérer l'essentiel pour avoir le temps d'utiliser l'Ultra 2. Cette Ultra qui va peut-être lui permettre de choper, mais Justin s'attend, il saute en arrière. Qu'est-ce qu'il est malin! Qu'est-ce qu'il est malin! Même s'il s'est touché, ça c'est pas combo. Luffy est obligé de backdasher. Il prend quand même pas ton point Twitter pour le maximum de dégâts. Compliqué cette focus, compliqué d'utiliser cette focus. Regardez ça, il était prêt à casser la spirale par une nouvelle dive kick. Justin Wong qui a sa barre de super quasiment chargée. La barre de super quasiment chargée, officiellement ça veut dire quoi? Une ouverture de garde. Et Luffy prend la force dans la tête. Justin Wong, il est encore en vie, hein, cela dit. Luffy, tous les espoirs sont pas finis, mais les espoirs sont cloués par cette nouvelle. C'est violent, c'est violent, sincèrement, on passe pour des sacs finis. Là on peut accuser personne, hein. Là c'est juste Justin Wong qui a compris, je sais pas ce qu'il a compris, je sais pas ce qu'il a vu, mais si vous regardez la qualité des réflexes, la qualité de l'anticipation, Luffy, dont le jeu principal consiste à s'emparer de l'esprit de son adversaire, eh bien se voit et son jeu complètement lui être renvoyé à la figure. Attention, c'est possible, c'est possible,
m'a dit qu'il était super confiant. On va voir si Luffy est capable, comme il a été capable sur tous les joueurs français. Ça fait une très bonne carotte à la Valiette, mais il vient de se permettre au sol quand même. La kick, il faut faire la cache, mais bien ça se met du gros. Et les petits mouvements, hein, c'est pas gros point, mais c'est qui quand même dans les oreilles. Et nous comprendre ça en sacrifice, vous devez prendre en intégralité. Attention, c'est tout, il va lâcher, il va lâcher, il va lâcher, et il saute, et il rate. Ça, c'est fini, les amis. Et là, les chambres, elle est quand même bien là. Je suis pour qu'il sorte à l'énergie, encore une fois. Et c'est moi qui vais te baiser après. Voilà. Ça, ça fonctionne bien. La plus puissante balayette aussi. Attention, hein. Ça roule, ça ne représente pas grand chose. Je te montre une capacité d'adaptation assez exceptionnelle. Un petit jump shot. Un petit jump shot, pourquoi pas. Je te montre qu'il est confiant. Hein. Il a pas de super de Luffy. Et en disant sur la confiance qu'il veut mieux avoir quand même. Non, il se bat Blind Punch. Là, à cette distance-là, c'est pas possible. Encore plus par 4 points. Il a fini par 4 points. Il a donné clairement l'ultra aussi assez tôt. What? Oh là là là, le mec est capable de casser l'ultra, de taper dedans et quand même, je vais voir, il se dit, ça va pas, les gars, vous êtes sérieux. Encore une fois, mais attends, t'échappes alors c'est pas envie. Et là, t'as un peu fébrile, Justin Monde. Il t'a un peu fébrile, il vient pas. Une lance à sa folie, Justin Monde. Et le pointeur, Luffy, il a finalement peu d'options si c'était sacrifié sa barre de vie. Et voilà, sa barre de vie sacrifié. Il faut pas cacher. Il ne faut pas le prendre au sol et le coup, sinon les missiles sont trop violents. Mais la barre de super reste chargée des deux côtés. Au deuxième round, bah, c'est assez intéressant, je pense. La moyenne spirale, c'est toujours la garde. La moyenne spirale, et c'est du bon. La super, elle est rentrée. Et Justin Monde, il se retrouve mal. Wow! Je ne sais pas ce qu'il va nous faire, je sais qu'il a décidé de prendre quand même. On va faire des petits bagages. Et viens, 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 approche. Essaye de punir, essaye de faire quelque chose. Ça n'existe pas, c'est son contrat, je crois. C'est des trucs, oh, encore une fois, il essaye de carotter tous ces balayettes. Et ça fonctionne, mais Justin Monde s'adapte. Il met des balles contre moi à la place de mettre des balayettes. Ce qui est en état, peut-être un peu de match. Attention, on a l'air de super. Donc Justin, c'est l'Express, ça cancel, ultra. Non, c'est pas bon. Alors, pour la chambre, c'est pas ce soir qu'il voulait faire, c'est à mon avis sous le trop. Il se retrouve dans une situation assez problématique. Attention parce que Justin Monde, aussi bien que Luffy, a une capacité d'adaptation. Regardez ça, il a raté les mains gros poids. C'était les mains gros pieds, maintenant c'est les mains gros poids. Et Luffy, il se joue un peu à Justin Monde, il a tout fait ça. Et encore, il a des appuis, voilà, on sait pas, il a des mains de l'Est. Autant faire les spéciales puisque les Français sont gratuits. Hein, encore une fois, son PMB, ça l'empêche de sauter, ça serait bien petit. La moyenne spirale, il faut pas faire à cette distance-là. Non, c'est pas comme Koukou qui l'a fait ici. Il a raté un tout petit peu au niveau de son exécution. L'Ultra 2 pourrait faire peut-être le taf. Et l'Ultra 2 lance son attention aussi. Il a cassé l'Ultra 2. Ça, c'est très simple dans le coup. Je l'ai utilisé pour changer dans les super. Super. C'est d'utiliser des boules. 1, 2, 1, 1. Je suis passé la tube. Oh non! Oui. Et paf! Il est encore en vie. Le Kizel est dégueulasse. Il faut qu'il garde. Il a gardé. Pour l'instant qui ne tue pas, ça va l'obliger à sauter, il y a un vent de rempli qui peut punir. On va chercher à la casser. Et oui, il me disait beaucoup de barres de Yex finalement pour se sortir de ce round difficile. Très bonne focus, ça évite de sauter et de ressauter, de faire dive kick, donc il relâche sa focus. Voilà, il faut que ce bagage sur les dive kicks. Il attend de voir quel coup finalement. Il a juste une fois un chargeur en l'air, la glissade en revanche a été touchée. Il a avancé la coche plutôt que de la coche. Là, il est là. Ça va, Donna, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Il est quand même attaché sur ce match de points qui est passé en hit avec un très bon dash en shop. Non, saute pas. On t'a dit de pas sauter. Faut pas sauter, Justin. Reste au sol, Justin. Justin qui saute, Justin qui t'arrête. Justin qui arrête l'ultra. Non, trop loin. Faut plus trop loin. La garde avec son cancel. Oh, il a raté l'ultra. Et là, il y a la mort. Il n'y a pas du tout de pression dans son match. Tout va bien. Il s'est dit de la bouffer l'ultra. Avec un cheval. Le dernier satellite cassé. Lâche en shop.
Reset du bracket. Justin Long repart dans le caractère sélectionné afin de reprendre un tout petit peu ses esprits. Ça va nous faire facile, a-t-il dit. Pour le moment, c'est très facile. Je vous demande de ne pas sous-estimer Justin Long. De ne surtout pas le sous-estimer. Cet homme en a vu d'autres. Il joue depuis beaucoup plus longtemps que Luffy. Il sait s'adapter extrêmement bien. Mais en tournoi, Luffy, c'est juste un monstre. Il y a une petite salière qui est en train de remuer. Mais c'est pas terminé, nous réjouissons pas trop vite. Luffy est toujours, et bien plus ou moins sous le coup et sous l'emprise de Justin Wong. Voilà, il commence à faire les lap-kicks et là, il est cassé. Voilà, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est sincèrement pas bon. Et la kick, elle est bonne, mais le matache est là. Avec une focus relâchée, il fait focus et matache. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça non plus. Ah, si, c'est passé quand même. Je sais pas pourquoi le saut vertical, mon point n'a pas touché. Luffy, il a juste la garde et puis il matache. Ouah, le saut pas balayé. Ça fait de gros dégâts. Il n'a pas sauté Luffy. C'est que je vais lâcher. Il va lâcher énormément. Ça va commencer à agacer le saut. C'est très agaçant de voir Luffy pour dire comme ça. Et il va lâcher systématiquement que quasiment tous les coups. La barre ultra chargée, hein, Justin Wong. Et ça fait des qui vont finir. Non. Oh non, non, c'est dommage. La phase n'a pas fonctionné. Le point qui va probablement signer l'arrêt de mort de Luffy. C'est chaud, Justin Wong prend le premier point de ce match. Il y a eu quelques petites erreurs, mais voilà, faut pas faire d'erreur, mais en même temps, je vous fais croire que les mains tremblent. Wow, c'est chaud, c'est chaud. Après un petit trop comme ça sur ma medium kick, on chante encore. Et la barre qui vient se quitter, il se délecte de ça, Justin, utilisé par le X pour pouvoir un peu lui, mais il a pas piffé. Là, il laisse Justin se relever finalement assez facilement, et le second point qui est très handicapant. Wow, oh là là, c'est magnifique, là, c'est pas le gros point de Justin Wong encore une fois. Ça, c'est le mouvement, mais lui, il finit pas d'aller, il a pas le temps, le bagage. Pour éviter la chope à l'enlever et lui il faut l'utiliser afin de charger le reste de barre de super et tu viens un peu le temps, Justin Wong qui va prendre un tout petit peu et bien tu recules. Non, il n'y a pas la chope là, il n'y a pas un moyen pour aller non plus, il va l'attacher immédiatement parce qu'il savait que Justin Wong il fallait plus bien, il y a super tellement là, tu sautes pas s'il te plaît, reste au sol, ça c'est plus unissable, du coup il est obligé d'utiliser deux barres de super pour se rentrer, sinon et bien c'est la fin, ça se joue à pas grand chose là, quand même ce genre de match là, c'est vraiment très intense et s'il réussit à faire Justin Wong, deux barres de super vont être organisées, il a encore sauté, hein. Il a encore sauté, mais s'il saute non plus, non, saute pas. Sauter, c'est Rex sous le trou normalement. Luffy doit faire super attention. Et attention, Luffy finish aussi. Il est trop loin pour être fini par cette death kick, Justin Wong. Il s'est mis à distance. Il est vraiment, regardez, le meilleur campeur du monde. Ça y est, on l'a retrouvé. Il est là. Il a ressuscité. Il est de nouveau présent. Il est en train de death kick. Il essaie de chercher l'arnaque. Il essaie de chercher. Luffy va devoir sonner très longtemps pour pouvoir poser des problèmes à Justin Wong dans sa round ou alors le choper 6 fois. Ça, c'est capable de le faire aussi. Regardez comment il va le chercher. Il préfère ce spot. Très bon contrôle du jeu aérien. Et Luffy qui fait voilà, voilà, ses anticipations. Voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et encore une fois, le gros pied qui va foutre. Ce niveau de pression et d'intensité, ça a tort. Là. Ça, c'est les règles de combo. On n'est pas content. On n'est pas content. On l'a énervé. On l'a énervé. On s'est pas énervé. Il fallait pas l'énerver. Il fallait pas l'énerver. Échappé à Luffy, une pression un peu étrange, eh bien, il s'est fait dominer dans les échanges, eh, il n'est pas content, c'est bien aussi, hein. Heureusement que cette focus n'a pas été punie, parce qu'elle aurait pu prendre très cher, rapide, pas moyen, et le spiral, un signe de la tête, Justin, on est un peu agacé par ce qui vient de se passer, il n'a pas compris, mais là il prend, il attend la focus parce que là il quitte le joueur, car il veut, eh bien, se galvaniser dans votre main, galvaniser dans vos encouragements, c'est ça qu'il faut, on est là, on est tous là, derrière cette finale, derrière Luffy, derrière. Pour tout changer, c'est pas un pari pour tout changer dans ce jeu, c'est du trap pour tout changer. Oh, la Fred trap avec son sous spiral, c'est très compliqué de faire ça. Faut vraiment bien gérer les distances. Et Justin a vraiment très bonne garde, c'est plus encore, plus ça encore, pas moyen encore, pas moyen encore, c'est gratuit. Il n'y a pas une sorte d'avoir été attrapé. C'est grâce à vous, si ça passe comme ça pour le moment, ça se passe comme ça, on se stresse.
les amis. Ça se passe comme ça. Focus, il préfère m'attacher plutôt que de relâcher. Je remets un très bon mal au point de réflexe, ce n'est pas bon. Voilà, tu te reprends à l'anneau. Attention, on peut se faire complètement pour presser. Très bon, on va moyen spiral, mais il n'a pas de super, mais ça n'a pas de confirme. Mais je vais voir sur le moyen quoi. Pour que ça fasse combo. Ultra 2 qui va essayer de refaire tomber un peu la pression de l'église. Oh là là! Mais c'est sérieux, la suite! Il a super, il n'a pas mis, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la super? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la super? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la super? La super, Charlie, de l'autre côté, c'est le dernier round du Stafford, le dernier du final! Tout va se jouer là! La déception, la joie, tout va se jouer ici! Sur une altitude ou sur un bon mouvement. Qui essaye d'attraper Luffy, d'attraper le Jekyll, de le démolir mentalement. Il a beaucoup se permet de charger sur l'ultra. Alors qu'est-ce qu'il va faire encore? Est-ce qu'il va réussir à balayer très fort? Qu'est-ce que vous voulez là? Il a touché, il a touché, il est en spirale et il est encore dominant, même si ce bague au point touche toute la règle, il fait vraiment du gros dégât. Oui, la balayette, il avait été en finish, mais il a failli finir la balayette aussi. Luffy qui est à deux doigts, le Spécia, c'est dans la garde et c'est pas ça. Zouzou le disent, oh my brother, testify!